Et nos invités, vous les savez, vous les connaissez dans La Bonne Heure, c'est Mathilde Seignier et Manu Payet. Bonjour. Ah là là là, quelle joie de vous accueillir. Merci. On va parler de Boule et Bill 2, mais d'abord je vous présente mes petits camarades, comme ça, ça sera fait. Non. Vous êtes évidemment... Passons là pour vous direct. Ah, oh. Oui, mais les auditeurs ne les connaissent pas forcément. Oui, c'est vrai. Oh, si, quand même. Quand même, on les écoute tous les jours. Depuis le temps. Vous êtes évidemment nos héros. Mais la lumière qui vous accompagne ne doit pas cacher la part d'ombre qui ternit parfois l'humanité. Tout ça pour dire qu'à côté des héros, il y a aussi des salauds. Et c'est Stéphane Blacco qui s'en occupe ici. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, à Paris les enfants sont en vacances, dans les boulangeries on voit apparaître les premiers lapins au chocolat. Bientôt on cache les œufs. Ah, vous me sentez venir. Bientôt c'est Pâques. Donc je vous ai choisi un héros de Pâques, un curé espagnol qui pour fêter Pâques s'est déguisé en... Ben, je vais pas vous lire tout de suite, hein. C'est 11h25 pour savoir en quoi s'est déguisé le curé. Quoi. Il faut leur dire au curé, un Pâques, c'est le moment où on rentre dans les jeunes. Oh non. Ah, je me suis dit, un curé à Régis, c'est comme lui faire un cadeau. Le jeune. Oui, mais depuis qu'on a supprimé l'accent circonflexe, on confond maintenant. Eh ben non, moi je ne supprime pas les accents circonflexes. La vieille orthographe, c'est pour moi. Vous avez raison, justement. Le film Boule et Bill 2 est avant tout destiné aux familles et aux enfants. Il faudra peut-être les éloigner juste après le journal de midi parce qu'il veut nous montrer la marque de son maillot. Régis Maillot. Bonjour. Il y aura peut-être une chronique, hein, pas sûr, là je suis dessus. Et séance de rattrapage pour tous ceux qui se sont endormis hier soir devant la télévision pendant l'interminable débat. Vous n'êtes pas endormi, moi non plus. C'est jusqu'à la fin. J'étais au taquet, jusqu'à la fin. Bravo. C'était un peu court. Ce sera le zapping d'Éric Dussard. Bonjour à tous. Oui, 6,3 millions quand même. 6,3 millions, oui, c'est un énorme succès. Ils n'étaient pas tous très bons. Hein. Ouais. Non. Et heureusement pour nous, ce qui nous a permis de rester éveillés. Ça s'est terminé effectivement peu avant 1h du matin. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont encore fait un sondage après la fin de l'émission, auprès de gens pour savoir lesquels avaient été les plus convaincants. Ouais. Donc, vous imaginez les gens qui ont été appelés à 2h du matin. Lequel a été le plus grand? Je m'en fous. Laissez-moi dormir. C'est forcément des gens qui n'ont pas de travail le lendemain. C'est ça. J'ai pas compris pourquoi c'était que sur BFM TV. Non, c'était sur BFM TV et sur CNews. Ah oui, c'est pas BFM du tout TV. Sur une chaîne nationale, donc moi j'attendais... Ah bah si, c'est des grandes chaînes une, de la télé, on va dire. Non, c'est ni la une, ni la deux. Elle a une zapette qui marche pas. Ouais. Et d'ailleurs, sur les 6,3 millions, c'était quand même... Oui, moi aussi, c'est ce que j'aime. Je suis encore à dire antenne 2, quand même. Oui, limite. En l'honneur de Bill, le test musical de Patrice Carmouche sera consacré aux chansons qui ont pour thème les animaux. Et à la clé, un magnifique cadeau grâce à Vacances Bleues. Vous jouez pour un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension au club domaine du château Laval à Gréoux-les-Bains. Voilà, et puis à 11h40, direction le musée Grévin, parce que jusqu'au 1er mai, Grévin fait son cinéma. Et on va parler de tout ce qui va se passer, notamment, je ne peux pas tout vous dire, mais on sera... Vous devriez être au courant, Stéphane. Je suis au courant. On aurait quelqu'un qui va nous en parler, en plus. On appelle l'un de vos collègues, quand même, tout à l'heure. Oui, je sais. Subordonné, plutôt. Laissez-moi, je vais vous présenter nos invités. S'il vous plaît, oui. Si les chats tiennent toujours la corde, ce qui est aussi leur distraction préférée, le nombre des chiens en France reste stable à 7 300 000 individus. Et comme le relate, j'ai rien compris là. C'était quoi, c'était notre présentation à nous. Oui, mais ça commence. Si les chats, j'ai compris. Non, les chiens. On va parler des chiens. Mathieu, limite Jean Lassalle. Vous avez pas reconnu. Mes chers compatriotes. Oui. Et comme le relate une étude, il y a 22 bonnes raisons d'avoir un chien dans une famille. Un chien améliore votre humeur grâce à une interaction hormonale. Les chiens vous aident à diminuer la pression artérielle. Ils contribuent à réduire le cholestérol. Ils favorisent la résistance aux maladies cardiaques. Caresser un chien aide à combattre la dépression. Ils vous aident à rester actif et à bouger. Ils peuvent même détecter des cancers. Ils sont un lien social dans la rue. Grandir avec un chien réduit les allergies chez l'enfant et contribue à renforcer son système immunitaire. Le chien responsabilise les enfants et calme les hyperactifs. Les câlins aux chiens sont un anti-stress naturel, d'autant que les chiens sont des coussins chauffants personnels qui pratiquent aussi la thérapie par la chaleur. Sans compter qu'ils comprennent le langage de ceux qui ont des difficultés à s'exprimer. On comprend dès lors
que nous, les amis des chiens, Patrice est pareil, nous pratiquions parfois l'anthropomorphisme. Nous prêtons des pensées à nos chiens. Les gens qui savent pas ce que c'est. Moi aussi, j'ai eu un peu. Attention, c'est pas loin de. Prêtons nos chiens comme c'était des êtres humains. Non, mais donne la définition, c'est mieux. Et nous prêtons des pensées à nos chiens, surtout lorsqu'ils s'expriment tels des humains. Avec la voix de cet acteur irrésistible, également un formidable showman. Il est à l'affiche de Boule et Bill 2 de Pascal Bourdieu, qui sort le 12 avril, un film qui ravira petits et grands. D'autant que pour incarner les parents heureux de cette famille idéale, il a choisi de marier Franck Dubosc à cette actrice brune, elle est moins brune, explosive et généreuse. Elle est blonde maintenant. Franche et chaleureuse. Elle n'a jamais été brune. Ah oui, non, jamais. Mais d'où tu sors brune? Mais il s'est trompé de portrait, il a pris celui de Mireille Mathieu. Il s'est trompé avec Sophie Marceau, l'enfant de. Ah oui, non, je ne peux pas les confondre. Non, j'ai été brune dans un film. Oui, je suis blonde. Je suis blonde. En tout cas, on est ravis d'accueillir Mathilde Seigné et Manu Payet. Bonjour. Alors, on va parler de Boule et Bill 2. Ça va, vous êtes en forme, Manu aussi. Oui, non, j'irai pas jusque-là. J'ai dîné, ça a un peu traîné et tout. J'ai refait le monde. Ah ouais. T'as dîné les quelle heure là? Je me suis couché il y a un quart d'heure, c'est ça mon histoire. Vous marquez pas trop, je trouve. Eh ben merci beaucoup. C'est l'avantage du métissage. Mais il est tout jeune. J'ai 40 ans. Ah oui, c'est jeune. Ouais. Il ne les fait pas. Hein. Ouais. C'est le métissage, vous pensez? Je pense, oui. Je ne pense pas, je le sais. Ouais. Et la barbe, c'est bien. Eh bien, nous allons parler, nous allons commencer une sorte de mise en jambe avec une interview chien. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous sommes avec Mathilde Seigné et Manu Payet. Alors, l'interview chien. Quand vous êtes d'une humeur de chien, qu'est-ce que vous faites pour retrouver le sourire? Alors, moi, je pense à des trucs qui me de mon passé, des conneries racontées par des copains, des choses comme ça qui me font rire et tout, et puis ça me fait relativiser sur le présent. Vous n'avez jamais une humeur de chien. Oui. Vous n'avez jamais une humeur de rock. Non, moi je regarde tout le temps la télé et ça me distrait. Oui. Est-ce que vous êtes déjà senti comme un chien dans un jeu de qui? Il y avait le film avec Pierre Richard. Oui. Qui était notre invité hier. Tu te souviens? Ouais. C'est vrai? Ouais. Tu l'as reçu hier? Ouais. Ah ouais. Qui nous a demandé d'embrasser Manu Payet cette semaine? Max Guadini. Voilà. Ouais, écoutez, je me disais, tiens, on a eu un invité qui m'a dit de faire une commission et j'ai failli manquer la commission. Petite commission. Oui. On est dans l'interview chien. Oui, ça va. Mais... petite commission de Stéphane. Oui, on ramasse les crottes. Si caresse de chien donne des puces, vous pensez que caresse de puces donne des chiens? Non. Mathilde, si on vous dit, tu as du chien, est-ce que vous êtes flatté ou est-ce que vous trouvez que vous avez affaire à un dragueur de supermarché? Non, c'est bien. C'est bien, c'est avoir mieux. Du chien. C'est mieux. Oui. Vous avez déjà partagé l'affiche avec des acteurs ou des actrices avec qui vous étiez comme chien et chat? Oui, ça a dû m'arriver. Ouais. Si. Moi j'étais avec Virginie Efira et avec Jérémy Régnier. Et ça s'est pas bien passé? Ah si! Non, mais quand on est chien et chat. Copain, moi j'étais sur copain comme cochon. Il est sur internet, ça y est. C'était une très bonne réponse pour nous, parce qu'on se disait, il balance. Ah oui, c'est vrai, j'étais en train de balancer. Avec Virginie Efira, c'était une horreur. Je n'ai pas entendu du tout. Donc non, là, moi c'est... ça m'arrive pas. Moi je suis Capricorne, ça se passe généralement très très bien. Oui, moi aussi. C'est pour ça qu'on m'engage, tu vois. Toi aussi? Ouais. Moi aussi. C'est 17 vrai janvier. Bah 22 décembre, j'ai envie de t'embrasser. C'est la chaîne. Appelons Christinas. Premier décan et troisième décan. Et deuxième décan. Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez un métier de chien? Un milieu de chien, oui. Ah oui, métier, non, quand même. C'est pas un métier de chien. Un métier de chien. Bon, métier, c'est un assez beau métier. C'est le milieu qui est effrayant. Le milieu est effrayant, ouais, vous trouvez. Il y a des gens très, très bien dans ce milieu et des gens merveilleux, comme dans tous les milieux, d'ailleurs. Oui. Où c'est un milieu atroce, oui. Mais il n'y a pas un milieu qui. Les milieux se valent les uns les autres. Dans la mode, dans la presse. J'imagine, dans la médecine. J'en sais rien. Nous, c'est particulier, comme on se vend soi et tout. C'est compliqué, parce qu'il y a la jalousie. Et... Moi, en ce moment, je ne tourne pas, donc j'aurais plutôt un métier de chat. Je ne fous rien. Enfin, t'es en tournée, quand même. Oui. On spectacle, la semaine prochaine. Bah, c'est pas rien faire. Oui. Vous n'avez pas une vie de chien, en tout cas. Ah non, j'ai arrêté. Quand vous voyez une critique négative, vous dites que les chiens aboient et la caravane passe?
Alors ça répond, je m'en fous complètement. Moi. Des critiques. Bah oui, mais c'est ça. Bah, c'est la réponse. C'est la question, mais on ne l'a pas posée depuis super longtemps. Mais alors j'en ai maintenant, mais j'en ai rien. J'en ai. J'ai déjà eu beaucoup de recul vite. Mais alors, un connard qui fait rien et qui se permet. Alors là, la même moi, je sais pas toi. Mais... Si, moi, c'est très bien. Mais non, si, moi, ça me touche un peu quand même. Non, ah oui. Ouais, et ça... dans ce cas-là, vous gardez un chien de sa chienne? Ah, je te. J'ai compris ce que vous vouliez dire. Rancunier. C'est un peu rancunier. Oui. Ah oui, très. Ah, très rancunier. Ah, très rancunier. Eh bien. D'ailleurs. Journaliste du Parisien, bah. bon, on n'en parlera pas. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous sommes avec Manu Payet et Mathilde Seigné, tous les deux à l'affiche de Boule et Bill 2 de Pascal Bourdieu qui sort mercredi prochain en pleine vacances de Pâques. Et ce qui est pas mal parce que évidemment petits écrans vont pouvoir aller le voir. Alors Mathilde, on vous voit dans ce film parce que vous êtes la maman de Boule qui est jouée par le très mignon Charlie Lengendries. Il est super ce gars. Ouais, il est formidable. Naturellement doué. Parce il est beau en plus. Et il est mignon. Ouais. Mignon. Et Manu, vous faites le coquet. De toute façon, moi, dès que je fais une voix d'animal. Je suis ici dans l'émission. Oui. Vous ne me recevez que quand je fais la voix d'un animal. Ah, oui. Stéphane adore les bêtes. J'ai fait Kung Fu Panda. On avait une autre raison de vous inviter. C'est qu'on a vu Gangsterdam, qu'on a beaucoup aimé. Ouais. Mais vous êtes brûlé au troisième degré. Et je me suis dit, le pauvre, il va vraiment mal. Et Patrice disait, non, ça doit être du maquillage. Le seul moyen de le savoir, c'est de l'inviter. Imagine les discussions des deux au cinéma. Il a dû se faire mal. Non, c'est du maquillage. C'est vous, Pécho. C'est ça, hein. Et donc vous prêtez votre voix, enfin vous la louez peut-être. je la loue. Pour coquer. Comment ça s'est passé? Vous êtes vu? Vous avez enregistré votre voix en amont? Comment? Non, on s'est pas vu du tout. Malheureusement, j'ai fait la voix. Après. Ah bah non, c'est pas du tout. Non, moi j'ai fait la voix enfermée dans un petit studio après. Oui, c'était tout seul. C'était pas du tout là où ils ont tourné eux dans les beaux décors. Oui. Je crois que c'était ici les Moulineaux, moi que j'étais. Ouais. Voilà. C'est moins glam. Et c'est un petit peu moins glam rock. Et puis j'ai fait la voix de ce chien, mais toujours avec le souvenir des versions françaises de mon enfance qui ont compté énormément pour moi et qui font partie de pourquoi je fais ce métier aujourd'hui, des raisons pour lesquelles je fais ce métier aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire un chien qui je sais pas, auquel on croit un petit peu. Ah, on croit aussi au personnage de Mathilde, alors que c'est un pur rôle de composition, parce que vous êtes une femme gentille qui veut réconcilier tout le monde. Est-ce que je suis au fond? Mais bien sûr, au fond. Mais c'est vrai que Mathilde, c'est la vraie. Mais en fait, il est bien ce personnage. Parce c'est une vraie maman. Oui. C'est une vraie maman. Maman comme un vrai, oui. Gentille, tendre, bienveillante. Mais non, moi, c'est pas le rôle qui est forcément loin de moi et tout. C'est le style de film. Oui, le style, oui. Oui. Bah moi, ça, on ne propose jamais des bandes dessinées, parce que je suis une actrice très, très réaliste. Oui. Mais comment on est venu vers vous pour ça? Parce que Marina Foïs, je ne sais jamais dire premier, foi oui. ou Foïs, elle ne pouvait pas le faire. Alors qu'elle avait fait le 1. Le 1, non, et on m'a téléphoné, est-ce que tu veux la remplacer? Et j'étais même étonnée, moi, d'ailleurs. Parce que non, moi, on me propose des flics, l'ancienne patronne du 36, des affaires, des trucs comme ça. Un peu plus burné. Agricultrice, terroir, je suis rurale, moi. Ah bah il y a le cheval aussi, c'est vrai. Le cheval, mais des beaux films. Des chèvres, des chevaux, vous avez eu des tracteurs. En même temps, dès qu'il faut maîtriser un animal dangereux, on l'appelle Mathilde. En même temps, vous avez eu des rôles magnifiques. Magnifique, mais moi j'ai beaucoup d'autorité naturelle et de voilà. Et comme ça, bah c'est ça, donc du coup, dans Boule et Bill 2, on une se dit, anecdote, tiens, un souvenir, oui, c'est Manu, très étonnant. Non, mais c'est j'ai jamais embêté Manu. Ça l'a dit, vous retrouvez du Bosque avec qui vous avez joué pas mal, oui. Puis Franck et moi, on se connaît vraiment par cœur en fait, c'est marrant. Donc c'est très simple, tous les deux, on n'a pas du tout la même manière de travailler et tout ça, mais on se rejoint dans le jeu et puis on se connaît de camping, on a passé 6 mois ensemble, c'est ça. Bah oui. Puis vous avez des copains de camping, c'est des copains pour la vie. Vous avez de beaux habits aussi. Il y a de beaux habits dans le film. Oui. Les coiffures, les robes. Ouais, non, mais il y a une atmosphère. C'est un très joli film. C'est 70. Oui. 70, c'est charmant. Très charmant. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous sommes avec Mathilde Seigné et avec Manu Payet, les vrais. Comment ils appellent, Jasmine? C'est qui? Le chien. Le chien. Bill. Le chien avec Bill. Avec Bill. On a la maman de Boule et on a Bill. Boule et Bill.
Et on va retrouver maintenant à la une Stéphane Blackowski. Les héros et les salauds de Blacko. Alors comme je vous disais tout à l'heure, mon héros du jour est un curé. Alors avant même que je vous raconte comment il a pu devenir un héros dans son village, il faut reconnaître que de nos jours, rien que le fait d'être un curé, c'est déjà quelque chose d'héroïque. On vit dans une... Oui, bien sûr. Alors merci de me soutenir, Régis, parce qu'on vit dans... Comptez sur moi. On vit dans une époque où tout le monde rêve de devenir comme Stéphane Bern. C'est-à-dire... Non. Riche, personne... célèbre, non. Sexy... Non. Je suis rien de tout ça. Bah si, quand même. Ah, c'est riche. Vous n'êtes pas très très sexy, Stéphane, mais comme vous êtes ni très riche, ni célèbre. Là, il est sexy parce qu'il a célèbre. Tout main. Ah, c'est amoureux. Quand on vient rentrer dans le classement Forbes, il est sexy parce qu'il est riche. Voilà, tout simplement. Il n'a pas besoin d'être sexy, vraiment sexy, Stéphane. Il est déjà assez riche, assez célèbre pour faire tourner toutes les têtes. Bon, ça, c'est le premier truc du curé, c'est que lui, il n'y est pas du tout dans cet objectif d'être riche, beau et célèbre. Il est d'abord, il gagne très mal sa vie, le curé, aujourd'hui. La preuve, hein, vous savez que les curés en sont réduits à faire la quête à la messe, exactement comme les Roumains dans le métro. Ensuite, les curés n'ont pas le droit de faire l'amour. Je rappelle qu'on n'a même pas le droit de tripoter un enfant de cœur. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très strict au niveau de la vie sexuelle. Et quant à la célébrité, à moins d'avoir du piston et de devenir pape, non, franchement, on est mal parti quand on est curé, puisque les églises se vident de plus en plus, donc le public disparaît. Heureusement, le curé de Pontevedra, en Espagne, n'est pas du genre à se laisser abattre. Il s'appelle Juan Carlos Martinez et son truc à lui, c'est la musique. Il adore jouer de la guitare. Mais alors attention, hein, c'est un curé qui joue de la guitare, mais rien à voir avec le père Auberger. Vous vous souvenez du père Auberger ? Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Ah, c'était le film de Châtillon. Je vais pas bouchiter. Le père Auberger, c'est lui. Non, alors, ça n'a rien à voir parce que le curé de Pontevedra, lui, ne se contente pas de chanter pendant la messe. Il a monté carrément un orchestre de salsa assez caliente, avec lequel il organise des soirées dansantes dans le village pour mettre un peu d'animation. Mais là où le père Martinez a poussé le bouchon un peu loin, c'est quand il s'est mis en tête de participer au carnaval de la commune. Bon, au départ, ça partait d'une bonne intention, hein, puisque son objectif, c'était de gagner de la prime de 500 euros pour le meilleur déguisement et de l'offrir aux pauvres. Franchement, difficilement faire mieux. Alors, histoire de frapper un grand coup, il a décidé de défiler à travers les rues de la ville, déguisé en lapin. Bon, se déguiser en lapin à l'approche de Pâques, hein, distribuer des chocolats aux enfants, pourquoi pas. Sauf que le père Martinez avait des oreilles de lapin, une petite queue de lapin, mais pour le reste, il avait des barésilles et une perruque blonde. En fait, il était déguisé en bunny girl, en lapine de Playboy. Alors, pendant le carnaval dans le village, tout le monde s'est dit « c'est marrant ». Oui, effectivement, c'est marrant. En revanche, en ouvrant le journal le lendemain, l'archevêque n'a pas du tout trouvé ça marrant de voir le curé en barésille dans le journal. Donc, il a convoqué le père Martinez pour une explication. Alors, bien sûr, notre brave curé, il a dit qu'il avait mis des barésilles pour aider les pauvres. Ouais, ça n'a pas vraiment convaincu l'archevêque, hein, parce qu'à ce compte-là, le père Martinez pourrait se lancer dans le striptease intégral, hein, pour aider les malades, ou tourner un petit film porno pour aider les orphelins. Donc, non, l'archevêque avait décidé de sanctionner notre héros. Il avait failli devenir un salaud, mais heureusement, il y a un miracle. Les paroissiens se sont mobilisés. Ils sont venus à une vingtaine voir l'archevêque en disant « Écoutez, ça serait quand même dommage de le virer, celui-ci. Eh » oui. Parce que depuis qu'il est curé dans le village, il y a deux fois plus de monde à l'église. Et voilà, c'est ce qui a tout simplement sauvé sa tête. On lui a juste demandé d'arrêter de mettre des barésilles, en tout cas en public. Voilà. Merci Stéphane Blacko. C'est une belle histoire que vous nous racontez. Je pense à ma mère quand j'écoute cette histoire. Elle est catéchiste, ma mère. Ah oui. Ouais. Ah, ça devrait avoir son avis. Ça l'aurait pas plu. Oui, c'est vrai, c'est non, je pense que les barésilles, elle n'aurait pas aimé. Non, elle aime pas. Oui, mais on ne sait pas ce qu'il porte sous la soutane. Enfin, voilà. Comment ça? Ricoter. Il n'y a plus beaucoup qui ont soutane. C'est bah, sous son talon. Soulevez-la pour voir. Faites du fact-checking. Regardez, par exemple, on ne se doute pas quand on voit la jambe de Mathilde qu'en dessous il y a un plâtre. Ah oui, bien sûr. Non, je le dis parce que comme on est filmé, s'il y a des gens qui voient, Mathilde Seigné, elle a mis les pieds sur la table. Non, elle a un pied dans le plat. Je le dis pour les autres. Non mais continuez ça. Il faut soulager. Moi je me disais la sacrée mollet. J'ai pas vu le plat. Je me suis dit, elle a la cool quand même. L'interview, c'est vrai que. Alors c'est vrai que à un moment, Mathilde, vous amusiez à faire des provocations. C'est-à-dire que vous sortiez des choses tellement énormes pour voir la réaction des gens. Et vous n'étiez pas déçu en général. Du métier Oui. Ouais. Maintenant, ça vous a passé. Ah, complètement. Depuis que vous êtes maman, j'ai remarqué. Oui. Bah non, c'est pas ça, je fais attention. Ah oui ? Ouais. Pourtant, ça vous a jamais nui dans le métier. Si, mais énormément. Vous n'avez jamais autant tourné fan,
on peut dire une chose pareille, énormément, énormément, les Césars, ça me suit énormément, d'ailleurs, c'est pas grave, mais énormément. Je suis toujours là, mais il y en a, elles n'ont rien dit, elles ne sont plus là. Donc. Ça vous a pas empêché de jouer. C'est peut-être parce qu'elles n'ont rien dit, justement. Oui. Oui. Je me dis, je suis encore là avec tout ce que j'ai dit. C'est que vous aviez du talent. C'est qu'il y a du talent. Oui, non, mais il y a du talent. J'en sais rien, si j'ai du talent, pas, et puis, pas tant que ça. Et puis, une vraie personnalité. C'est-à-dire ce qui nous tue, je suis un peu même. Différente des autres, comme elles disent rien, elles sont très, très contrôlées, beaucoup. Oui. Bon, bah, je suis dans le paysage un petit peu différente, ça change un peu. Mais on en a besoin. Oui, ça fait un petit peu d'air frais. Dans... Elles sont toutes un peu éthérées et elles. Sincérité. Leur esprit elles sont ressemble... très actrices, quasiment toutes. Bon, à part. Mais même Dahl, la pensée. Béatrice Dahl ou des natures comme ça, mais sinon elles sont très contrôlées, très actrices, puis très impliquées dans leur métier. Oui. C'est très important. On a le sentiment pour moi, certaines. Moi, demain, ça s'arrête, je ferai mon fou. Vous ferez autre chose. Ouais. Mais on a le sentiment pour certaines que même leur pensée est botoxée. Oui, ah, c'est pas faux. Très joli. C'est-à-dire, sans parler du botox, bon, parce qu'il y a. Non, mais sans parler du botox, il y a des actrices qui ne sont pas botoxées, mais je veux dire qu'il y en a plein que j'adore. Parce que moi, je préfère les actrices aux acteurs, même à la limite. Je m'entends très bien avec les actrices, mais il y en a surtout qui sont. Elles sont dans le contrôle de permanent. Donc, comme moi, bah, je dis les choses, ça a dû amuser les Français. Mais ceci dit, moi, je fais un peu attention maintenant, parce qu'avec cette machine-là. Internet. Ça s'appelle, Internet, les réseaux sociaux, Twitter. Comme m'a demandé ma copine Florence Moncorgé, là, la fille de Jean Gabin, comment ça s'appelle le nouveau truc à la mode? Bah, Instagram, les réseaux sociaux. Internet. Elle est grave. Dis donc, vous pensez que Facebook, c'était un petit porno, je vous rappelle. Mais ça, c'est la vérité. Ouais. J'étais chez Delarue, et je vous jure, mais c'est vrai, j'ai honte de le dire, il y a longtemps déjà. Oui. Et on me dit, est-ce que vous êtes sur Facebook? Je dis, ah non, parce que c'est des... Non, j'ai pas de photos de nus et tout. non, mais il y a super longtemps, et je pensais que c'était FE2SE, mais ça, c'est vrai. Ça existe aussi, Facebook écrit comme ça, mais c'est un autre site. Et les gens étaient hallucinés, parce que moi, j'étais vraiment sincère. Oui, mais je dois être... En même temps, vous êtes intéressé à d'autres choses. Voilà. Oui. Vous étiez un peu turbulent, Manu, à l'école, et vos parents vous avaient placé dans un établissement qui ressemblait un peu au cercle des poètes disparus. Là, il y avait des bons côtés, mais vous avez reçu des châtiments corporels. Oui. Vous les méritez. Mais en 3 ans de scolarité, non, parce que je me suis fait gauler pour. J'ai pris 4 coups de bâton. Ouais. Sur 3 ans, c'est pas mal. Dans une école qui était très sévère, une école anglaise, et c'était en Afrique du Sud où j'ai vécu donc pendant ces années. Et Mandela est arrivé au pouvoir en 1994 et a aboli les punitions corporelles dans les établissements scolaires sud-africains. C'est l'année où j'ai eu mon bac. Et où... En fait, il t'a adoré. Donc en fait, il est arrivé, c'est beau. Il a fini, Manu ? Oui, il a fini. Allez, on arrête, les gars. Allez, arrêtez de les frapper parce que vraiment, c'est dégueulasse. Quoi. C'est chouette, un artiste qui... Je suis devenu très pote avec Mandela. La classe. Vous avez été le dernier à recevoir des coups. D'autres questions ? C'est vrai que vos acteurs ou vos actrices de référence, c'est souvent des grands acteurs classiques. Alors, évidemment, il y a Louis Seignier, mais il y a Robert Hirsch, il y a Jacques Charon. C'est-à-dire tous des gens qui ont été à la Comédie Française. Ça vous aurait tenté, vous, d'être à la Comédie Française ? Non. Oh bah non, parce que c'est une maison, c'est particulier. Hein. C'est un vase clos. Non, mais les acteurs de référence, oui, il y en a. Il y a bien sûr mon grand-père, autre chose. Mais tous ces acteurs-là, mais même, de Dijon, même enfin, Gabin, voilà. Signor et tout ça. Mais il y a. Parce que ça fait un peu passé ici, c'est chiant. Mais il y a des acteurs. Oui, contemporains. Aujourd'hui, mais il y en a plein que j'adore, même. Aujourd'hui, heureusement. Et Manu, si je vous dis, quoi que je fasse ou que je sois, rien ne s'efface, je pense à toi. Ça vous dit, quelque chose ? C'est gênant, c'est gentil. C'est gentil, ça me touche. Et je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et c'est embarrassant parce que j'ai quelqu'un dans ma vie et puis j'en avais un enfant. Donc si vous voulez, c'est un petit peu tard pour déclarer le truc et se servir de ce pauvre Jean-Jacques Goldman. Il n'est pas là pour se défendre. Vous en êtes servi, non ? Ah oui, mais moi, c'était ma chanson quand j'étais... en fait, je voulais faire honneur à comment j'aimais cette chanson, Pas toi. Donc, elle s'appelle Pas toi de Jean-Jacques Goldman, quand j'étais au lycée, et trouver la fille qui serait digne, de ses paroles. De recevoir. J'ai trouvé. Et j'ai déclaré ma flamme. Où que je sois. À une fille. Dans la cour du lycée, à une fille. Rien ne t'efface. Je pense à toi. Ça finit comment ? Vous avez chanté Je marche au sol. Elle s'appelait Vanessa, non ? Oh, joli coup! Ah oui! Comment ça, joli coup? Quand je vous dis des fiches de police, c'est incroyable! Ceci dit, Goldman.
chapeau. Quoi. Ouais. Ouais. Ah bah, parce que là, il a encore écrit une chanson tubes, pour Céline. Là. Ah oui, ouais. Encore un soir. Encore un soir, oh magnifique. Un choix. Mais c'est, une prière, c'est le patron. Ah oui. Hein. C'est, le champion, j'ai l'impression, hein. Ah ouais, c'est le champion. Hein. Il se démote pas du tout. Non, du tout. Ah. Il parle très peu de lui et je trouve que c'est un. J'ai une petite rumeur à ce sujet. Encore un soir. Vous venez de tourner un téléfilm pour France 2, réalisé par Yves Régnier. Ouais. Et pour vous faire qui est pleurer génial. À la alors, fin. L'affaire Patrick Deal, c'est vache. Ouais. C'est le troisième. Et pour vous faire fois. Pleurer à la fin, parce que vous devez pleurer, il vous a mis Encore un soir de Céline Dion. Ouais, mais il ne l'a pas mis, parce qu'il m'a sous-estimé, Yves. Il a pleuré avant. Il sait, parce qu'il sait, ça fait deux fois. On a fait Médecin-chef et Flic, tout simplement, où je jouais l'ex-patronne du Trans. C'est notre troisième film de télévision de grande qualité. Moi, j'aime bien l'idée de faire la télé aussi, parce que je trouve que c'est important. Oui, il avait fait l'affaire Guy Georges auparavant. Voilà. Et il sait que j'ai un truc avec l'émotion. Quand je monte pas, j'aime pas pleurer à l'écran, j'aime pas les actrices qui pleurent, j'aime pas machin. Et là, il fallait vraiment que je pleure et tout. Et il m'a dit, je vais t'aider, Matou, en te mettant Céline Dion et tout, Encore un soir, parce que c'est vrai que c'est une chanson qui me fait immédiatement pleurer. Et ben non, il pleurait sans rien. Ouais. C'est mignon, Matou. C'est mimi. Matou, il m'appelle Matou. Mais c'est quoi, c'est de la pudeur? Pourquoi tu veux pas que pleurer quand tu vas pleurer? Oui, je suis en fait assez pudique et à l'écran. Et puis je me dis, cette actrice qui chiale. Ça ouais. Oui, t'as l'impression. Il y a, d'autres questions autour de la table? Évidemment. Mathilde, vous adorez jouer, vous nous l'aviez encore répété. Mais si vous étiez assez riche, vous pourriez arrêter de travailler pour vivre au bord de la mer et monter à cheval. Oui. Et c'est très raisonnable. C'est bien de faire. C'est bien. Pas à toi. Bah, évidemment. Oui. Pas à toi. Mais c'est ce qu'il va faire à partir de la semaine prochaine. Pour notre. Avant, vous allez me mettre au chômage. Non, vous êtes déjà tellement riche. Attendez la fin des élections. Oh, oui, c'est vrai. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes avec deux merveilleux acteurs ce matin dans La Bonne Heure. Mathilde Seigné et Manu Payet pour Boule et Bill 2. Je tiens à le dire, c'est vraiment un chien qui fait Bill. Ce n'est pas Manu Payet. Il ne fait que sa voix, parce qu'on a des messages. Vous avez discuté de ça avec Patrice quand vous avez vu le film? Vous en avez parlé pendant le film, comme les vieux du Muppet Show? Quand même. Tu crois qu'il est dans le chien? Enfin, Patrice, alors, comment tu peux encore dire les absurdités? L'autre jour, il s'était brûlé. Non, mais on s'inquiète. Hein, bon, c'est vieillis, ça. Maintenant, il y a une tête de chien. Ils vieillissent. Ce qui est mignon, c'est qu'ils vieillissent ensemble. Oui. D'ailleurs, je vous vois bien au cinéma quand vous êtes dans les projections. Vous prenez votre petit, vous avez votre Tupperware. Derrière qui se plaignent, s'il vous plaît, les deux là. Excusez-nous, on est absorbés parce qu'on est inquiets. Mais on est très bon public. On est très bon public. Sauf quand Patrice rit. Je préfère pas l'emmener pendant les comédies parce qu'il rit très fort. Ah bah, alors, aussi en plus. Stéphane. À propos de cinéma, eh bien, nous allons parler d'un événement parce que Grévin fait son cinéma et c'est du 7 avril au 1er mai. Il y a une programmation insolite à l'occasion des vacances de Pâques. Alors, il y a déjà un casting incroyable à Grévin de stars de cinéma. Pour en parler, nous avons Véronique Béretz au téléphone. Bonjour, bonjour. Véronique. Bonjour Stéphane. Alors, bonjour vous vous avez un parterre déjà de plus de 40 acteurs et actrices. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est, très chanceux à Grévin, puisque sont représentés, entre autres, ben d'ailleurs, Franck Dubosc, puisqu'on parle de votre film. Oui, hein. Mathilde, Franck est avec nous, et il y a aussi Omar Sy, mais également Gérard Jugnot, Jean Gabin, Louis de Funès. Et les Américains Brad aussi. Angelina Jolie. Voilà. Vous les avez séparés ou ils sont toujours côte à côte? Ah, mais ils ne sont pas entrés ensemble, donc ils n'étaient déjà pas ensemble. Bon. Non, mais c'est sûr qu'il faut suivre un peu la vie des acteurs aussi. Et alors, vous allez, pour ces Grévin fait son cinéma, vous avez une reconstitution de scènes cultes. Oui, écoutez, quel bonheur, on peut s'asseoir sur le canapé du Père Noël est une ordure, même poser avec le merveilleux gilet pour descendre ses poubelles. La scène est reconstituée, il y a même le tableau superbe. Et puis il y a beaucoup d'images aussi projetées, et surtout il y a une exposition Méliès avec des documents inédits. Et le théâtre optique qui a projeté le premier dessin animé du monde, et c'était au musée Grévin en 1892. Dans les lieux mêmes, on peut retrouver donc cet hommage à Méliès avec les inédits de ce magicien incroyable, créateur des effets spéciaux et qui a fait ses armes donc à Grévin avant de devenir cinéaste. Donc ça c'est très important. Tout à fait, et on a même deux soirées exceptionnelles de ciné-concert Georges Méliès qui
si, avec au piano son arrière-arrière-petit-fils et au boniment, puisque c'est comme ça que ça s'appelait, son arrière-petite-fille. Donc c'est Laurence qui est un garçon, Laurence Le Hérisset et Marie-Hélène Le Hérisset qui commandent ces images, et c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on les voit finalement que très peu, et ça, ce sera les 8 et 15 avril au soir. Et puis, je crois qu'il y a des soirées avec un demi-siècle de rire, avec toutes les répliques célèbres toutes les comédies, et puis une soirée surprise, qui n'est pas tellement surprise puisqu'on va en parler, c'est le 29 avril à partir de 20h, et là vous êtes associé à Paris Fait Son Cinéma pour faire vivre une soirée sous le signe du 7e art, n'est-ce pas ? Oui, et puis chacun pourra venir costumé, faire un mannequin challenge, et puis effectivement c'est un mannequin challenge, c'est le prof de Grévin d'ailleurs, on a déjà 200 personnages qui font du mannequin challenge. C'est quand t'arrêtes de manger pendant 3 mois. Mais les pièces sur scène, là, les répliques phares du cinéma sont mises en scène par Éric Legérias, et là je crois qu'on va beaucoup rire, parce que quel bonheur que de retrouver des scènes cultes, de La Chèvre, des Bronzés, de La Cage aux Folles, Rabbi Jacob, Le Dîner de Cons, Joyeuse Pâques, Les Tontons Flingueurs, et j'en passe. Donc voilà une bonne destination pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs qui sont en vacances à Paris. C'est sur les grands boulevards, c'est au musée Grévin, à Grévin. Oui, on vous attend tous. Eh bien on vient évidemment. Merci beaucoup Véronique Béretz, et on peut aller sur le site de Grévin pour trouver toutes les informations, les dates, les horaires, évidemment, pour participer à cette fête du cinéma. Merci beaucoup. On va parler non pas de cinéma, mais de télévision avec Éric Dussart et son zapping dans un instant. À la bonne heure, Éric Dussart met la télé sur écoute. Alors, Éric, on commence avec un appel interne. Et oui, je vais demander à quelqu'un de l'infirmerie d'RTL de bien vouloir descendre en studio, s'il vous plaît, car je pense que Stéphane Bern va nous faire un malaise vagal en entendant cet extrait des 12 coups de midi hier sur TF1. Quel ancien gouverneur américain a été sacré Monsieur Univers ? Napoléon. Arnold Schwarzenegger ! Napoléon, Monsieur Univers. Vous l'imaginez torse nu en train de gonfler ses pectoraux ? En plus, il n'avait pas du tout la taille réglementaire pour faire Mister Univers. Non, il était plus petit. Ça ne marchait pas. Hein. Voilà, donc on félicite ce jeune homme pour cette réponse, même s'il y a eu, je dois dire, un autre champion dans ce jeu. Top ! Dans quelle langue John Kennedy a-t-il déclaré « Ich bin ein Berliner » ? Américain. Stop ! Quel instrument de musique a fait la renommée de Chuck Berry ? La flûte. La guitare. Jazz. Oui. Top ! Quel titre reçoit-on lors d'une cérémonie d'adoubement ? Un Oscar. Chevalier ! Qui est le premier président de la 5e République ? Hollande. Le général de Gaulle. On devrait punir. C'est bien la première fois qu'on confond François Hollande et le général de Gaulle. Ça a dû lui faire plaisir s'il regardait le jeu, car je crois qu'il a un peu de temps en ce moment. En parlant de politique, vous savez bien sûr qu'hier soir sur BFM TV et CNews, c'était donc le grand débat suivi par 6 300 000 téléspectateurs. Premier débat avec les 11 candidats à la présidentielle. Alors évidemment, on pouvait craindre du coup que ce grand débat ne vire au grand bordel. Eh bien pas du tout. Monsieur Fillon, vous répondrez, Madame Le Pen. Ça fait 70 ans, Madame Le Pen. Monsieur Fillon, vous ressortez. François Fillon, Madame Le Pen, vous ressortez. François Fillon, allez-y. François Fillon, s'il vous plaît. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci Jean-Luc Mélenchon. Allez-y, Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon, allez-y, c'est un débat. Allez-y, Jacques Cheminade, allez-y. Lancez-vous dans l'univers, Jacques Cheminade. Il adore ça. On comprend mieux. C'est ça qui est chronomètre. Imaginez ceux qui font ça à la restée. Ah bah ça c'est plusieurs petits passages, mais ça a été ça toute la soirée. Hein. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ça a duré 3h40. Hein. Et effectivement, on a une pensée pour celui qui était censé donc comptabiliser les temps de parole, qui a dû souffrir quand même avec son chronomètre et les doigts qui saignaient. Alors, parmi les plus bavards, évidemment, il y avait Jean-Luc Mélenchon, qui a souvent dépassé son temps de parole, ce que Routel Krief lui a d'ailleurs fait remarquer. Merci, on n'a pas entendu Monsieur Asselineau sur ce sujet. Monsieur Mélenchon, vous allez dépasser votre temps de travail. Monsieur Mélenchon, vous allez dépasser votre temps de travail. Vous allez dépasser votre temps de travail. Le temps de travail. Je peux vous dire, du coup, quand il a entendu ça, il s'arrêtait net. Hors de question pour lui de faire des heures supplémentaires, Mélenchon. Hein. Alors sinon, hier, dans la famille énervée, on avait Philippe Poutou. Vous avez vu sa tenue, hein, ce t-shirt en fait. Oui. Bah, je pense qu'il était venu en pyjama parce qu'il savait que ça allait durer toute la nuit, le bordel. On avait Nathalie Arthaud qui personne apparemment n'avait dit qu'elle avait un micro, hein, vu qu'elle a passé sa soirée à hurler. Elle était en moyenne à 130 décibels, voyez un A380 en bout de piste. Bah, c'était Nathalie Arthaud toute la soirée. Et à l'inverse, nous avions bien sûr la zénitude incarnée, Monsieur Jean Lassalle,
le berger, notre futur président. Alors, Jean Lassalle, qui a même tweeté d'ailleurs en direct, hein, vers 23h30, il a envoyé un tweet très synthétique. C'était le texte suivant, le tweet de Jean Lassalle, voilà. Et j'ai envie de dire que tout était dit avec Jean Lassalle. Voilà. Bon, c'est résumé son programme. Il était cool, Jean Lassalle, comme toujours. Il est même arrivé en retard pour les repérages au studio. Là où les autres sont arrivés vers 18h, lui n'est arrivé que vers 19h. Mais je dois dire qu'il avait une bonne excuse qu'il a donnée à la chaîne CNews. Je suis né avec... Maman a mis 8 jours à me mettre au monde. Et je faisais 4,9 kg, elle avait que 17 ans. J'ai jamais pu rattraper ce retard. Donc pour résumer votre état d'esprit, on peut dire que vous êtes ce soir très détendu. Oh, écoute, très détendu, disons que je suis moyen. Bah, suffisamment détendu en tout cas pour le tutoyer. Donc vous avez entendu, il est en retard parce que sa maman a mis 8 jours à accoucher et que c'est un retard qu'il n'a pas réussi à rattraper depuis. Donc s'il est élu, comptez une investiture à la mi-juin début juillet. Faut pas espérer. 2018. Parce que j'en arrive pas à récupérer là ce retard. En tout cas, l'expression petit candidat ne va pas non. pour lui. Ah bah non, c'est les autres qui étaient petits. Oui, oui. Il avait une cravate qui était déjà plus longue que Benoît Hamon. Il est immense ce Jean Lassalle. Bon, l'addition, s'il vous plaît, a fait son retour sur TF1. Je suis sûr que c'est une émission que vous connaissez. Oui. Mathilde Seigné. Oui. L'addition, s'il vous plaît, vous savez, c'est ce concours de restaurateurs où l'on peut déguster de délicieuses expressions parce que ce sont tous des Jean-Michel à peu près. Raja, en tant qu'inspectrice, elle y va, quoi. Hein, au charbon, voilà, elle dit les choses. Elle n'a pas sa langue dans sa bouche. Elle n'a pas la langue dans sa bouche. Ben, elle a où sa langue, du coup? Dans sa poche. Dans sa poche. Sinon, ils nous ont aussi servi une salade d'expression. Alors, pour réussir votre salade d'expression, c'est simple. Vous prenez l'expression « anguille sous roche », l'expression « sortir quelque chose de son chapeau », et vous mélangez les deux. Par contre, quand il était en face d'elle, il était gentil. Moi, je pense que s'il y a une anguille qui sort du chapeau, c'est chez Charles. Ah non, je pense que ce sera chez Patrick Sébastien, parce qu'on appelle ça un tour de magie, une anguille qui sort d'un chapeau. C'est dans le grand cabaret. Vous regardez cette émission, Mathilde Seigné, de temps à autre ? Non, celle-là, non. Pourtant, vous êtes très TF1. Oui, mais je regarde tellement d'autres. Oui, mais j'ai un programme sur toutes les chaînes. Oui, je sais. Il y a Money Drop, hein. Money Drop, ça, alors, c'est Money Drop, c'est fini, c'est The Wall. Oui, alors ça, vous en pensez quoi, The Wall? Moi, j'aime bien. Ouais. Les boules qui descendent le long du mur. Oui, je trouve que c'est bien mené. Moi, j'aime bien De Chavannes, parce que je trouve que c'est un type qui a vraiment du talent. Et puis après, j'ai aussi Stéphane, visite privée. Ouais. Là, je suis dans le plâtre, alors j'ai mon programme. J'ai le journal de Jean-Pierre Fernoy. Vous avez Midi en France, qui n'est pas à midi, mais à 11h du matin. Midi en France, de 11h à 11h jusqu'à midi. Après visite privée, et après j'ai un trou parce que j'ai plus mes programmes d'avant. Ah, c'est bien, il y a tout un planning. J'ai plus Sophie d'avant, là, toute une histoire. Ah, bah, ouais. Ça me manque. Vous savez quoi, on va terminer avec un petit tour de manège. Le programme d'avant, bien sûr, j'ai compris. Hein. Petit tour de manège pour terminer, on embarque tous grâce au magazine 66 minutes sur M6 dans ce manège à sensations fortes, enfin forte surtout pour son propriétaire apparemment. C'est reparti, on y retourne, je relance le manège. Ah, je relance la machine, accrochez-vous, mademoiselle, c'est parti comme ça. Ouais. Oh, bah mademoiselle, elle a le décolleté qui se promène, elle. Bah alors, elle a le nibard indiscipliné, mon vieux. Bouge pas, attends, on va tout faire sortir, bouge pas, attends, allez. Et un tour gratuit pour celui qui attrape le pompon. Mais quel gros pervers. La bonne heure. Stéphane Bern. Et nous retrouvons, comme je vous l'ai promis, Régis Maillot qui nous montre sa marque du maillot. À bonheur, la marque du maillot. Bravo. Merci. Alors, on débute par les joies calendaires. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du travail dissimulé. Oui. On a tous une pensée pour le conteneur de Philippins et de migrants syriens qui habitent dans un AGECO au fond du jardin de Stéphane Bern. Arrêtez. Et qui permettent à son Altesse d'avoir un intérieur impeccable, ainsi que la seule pelouse de Paris taillée à la dent. Des slips grattés à l'ongle et des chaussures lustrées à la cire d'oreille. Bravo. On les embrasse. T'habites où? Pénélope. On les embrasse et on espère qu'ils puissent un jour récupérer leur passeport. Allez, on confisque. On poursuit par un mail d'auditeur Nadine qui nous écrit de Yahoo dans le Hotmail. On salue d'ailleurs tous les habitants du Hotmail. Cher monsieur Maillot, vous êtes un peu la caution morale de cette émission. Merci de l'avoir marqué, Nadine. Et un observateur avisé de la vie politique française, j'imagine que vous avez dû vous régaler du débat politique d'hier.
Eh bien Nadine, j'ai le regret de devoir te répondre par la négative. Je n'ai pas regardé ce grand moment de démocratie. Oh, je sais, c'est dur Nadine. Mais j'ai un alibi en béton, je vous explique. J'ai passé la soirée d'hier en compagnie de Patrick Sébastien. Rassurez-vous Stéphane, hein, pas chez Denis, sinon j'aurais croisé Carmouze. Hier soir, j'ai... Ça n'existe plus. Ah bon ? J'étais un invité de... Ça n'existe plus, exactement. Comment vous le savez ? Non, parce que quelqu'un nous en a parlé l'autre jour. Ouais, voilà. Max Guadzidi, qui embrassait Manu Payet. Tout le monde s'embrasse, c'est Denis. Il l'a vu chez Denis aussi. Oui. Non, hier, j'étais chez Patrick Sébastien. J'étais un invité de l'émission Le plus grand cabaret du monde. C'est-à-dire que je suis rentré chez moi tout à l'heure. J'ai croisé Manu Payet qui sortit de son dîner, justement, très tard. Bon, du coup, j'ai eu juste le temps de prendre une douche, de vider le paquet de confettis que j'avais récupéré au fond du slip, d'avaler un Alka-Seltzer et d'arriver à RTL. Donc, depuis ce matin, d'ailleurs, j'ai en tête la nouvelle chanson de Patrick, c'est le Barracuda. Je vous la conseille, elle va être très bien. Pire, je connais la Corée par cœur. À ce titre, je tiens d'ailleurs à m'excuser auprès des proches auditeurs et fidèles auditeurs de À la Bonne Heure qui samedi soir verront un garçon qui ressemble étrangement à moi danser frénétiquement entre Vincent Niclot, Isabelle Mergot et notre copain Antoine Duléry. J'ai un message à faire passer, c'était pas moi en fait. C'était vachement entraînant cette nouvelle chanson. Vous l'avez chanté ? Ah, c'est un barracuda, un barracudé, et puis après tu fais oh oh oh. Ça a l'air bien. Ça avait l'air chouette. Hein. Et il y avait Antoine, bien sûr. Évidemment. Boulette. Ah oui, Boulette, exactement. Boulette. C'était très sympa. Bon, du coup, j'ai pas pu regarder le débat politique, mais je crois qu'il n'est pas encore fini. Non. Ils sont à quatrième partie. Exactement. Là. Enfin, surtout pour Jean Lassalle, dont on sent qu'il a la France dans le sang. Hein. Lui, dans le drapeau tricolore, il a surtout gardé le blanc et le rouge. Jean Lassalle, dont je tiens une très bonne imitation. Mes chers compatriotes. Et dans le Béarn, ils sont tous comme ça. On parle tous comme ça. On parle tous comme ça dans le Béarn. C'est l'imitation officielle de Patrice Carmouze. Lassalle, c'est un peu le président dont on rêve tous pour présider l'amicale des boulistes. C'est le genre de gars qui boit des pastis parce qu'il n'y a pas assez d'ombre et qu'il a peur de se déshydrater. J'aime beaucoup. Alors j'ai fait une erreur. Ce matin, un dépôt trop mini, je suis allé sur l'AFT. Vous connaissez l'AFT ? C'est l'agence France Tweet. Ah oui. C'est le nouveau doudou des journalistes. C'est là que tu mesures que ceux qui reprochent aux politiques de ne pas parler des vrais problèmes, ce sont ceux qui le tirent le plus sur la politique. Alors, à ce que j'ai compris, Poutou est venu en pyjama. Certainement, il avait prévu de dormir sur place. En même temps, c'est le seul qui avait un vrai boulot. Il était assis à côté de Macron, qui était ravi. C'est la première fois de sa vie qu'il croisait un ouvrier. Et Mélenchon a encore démontré que pour un gars qui passe son temps à décrier les médias, c'est celui qui passe le mieux à la télévision quand même. Alors du coup, je vous raconte ma soirée du plus grand cabaret du monde. Ça a débuté par un numéro de clown, un duo dans la tradition, Pipo et Mario, c'était Jean-Luc et Poutou. Comme disait Coluche, il y en a un qui coupait les oignons et l'autre qui pleurait. Il y a une troupe de ventriloques contentionnistes, une dizaine sur la même marionnette. La marionnette s'appelle Macron. C'est une marionnette qui fait le grand écart selon le bras. Il y avait un numéro aérien, Benoît Hamon, le seul numéro aérien d'un gars qui n'a jamais décollé. Un grand numéro de magie burlesque. C'est Majax Fillon. C'est le mec qui veut inverser la courbe du chômage en créant un ministère des emplois fictifs. Et Marine Le Pen nous a fait son fameux numéro d'ombre chinoise, mais sans chinois. Alors on conclut par la phrase qui restera certainement le prix de l'humour politique de cette année. Je vous la donne, elle m'a fait beaucoup rire. Je vous la donne. Ma fierté, c'est de pouvoir remettre à mon successeur un pays qui va mieux qu'à mon arrivée. Et c'est signé François Hollande. Et ça ne s'invente pas. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes toujours avec Mathilde Seigné, Emmanuel Payet, Boulet Bill 2 de Pascal Bourdieu qui sort le 12 avril. C'est l'interview, Oh, merci, vous le faites bien. C'est lui le jingle. Vous préférez la province ou Paris ? Province. Manu La ville. Tant qu'il y a une ville, il me faut du béton et du pot d'échappement. Moi. Ouais. Mais je suis un urbain. Ouais. L'inverse. La scène ou le cinéma ? Les deux, moi. Ouais, moi aussi. Comédie ou tragédie ? Les deux. Les deux. Pareil. Radio ou télévision ? Les deux. Les mecs n'ont rien à dire. C'est rien à dire, hyper consensuel. Méditerranée, océan Atlantique ou océan Indien ? On a trois. Bon, les trois, alors là. Puis moi, je vais quand même un peu pencher pour l'océan Indien. Il faut qu'il y ait de la mer. Ça dépend des méduses. Chien ou chat ? Chien.
Ah, ah bah, je ne fais pas commun. Ah, ouais, ils ont répondu en même temps. Ouais, c'est mignon ça. Faites-en-vous. Est-ce que ça ne vous a pas donné envie, Boulibil, d'adopter un cocker? Non, parce que j'ai déjà un beagle, moi. Ah, c'est pas mal. Mignon, c'est mignon, le beagle, c'est tellement gentil. Attends, les c'est très gentil, c'est très beau. Si, et c'est très. Ça, tu vois, avec les grandes oreilles et tout, c'est adorable. C'est adorable. Très bien. Donc, vous n'avez pas changé de chien? Non. Avion ou bateau? Ah, bateau, ouais. Stéphane. Je bateau, sais que vous Stéphane. Aimez les bateaux. Oui, vous n'aimez pas l'avion. Ouais. C'est bateau, comme ma réponse d'ailleurs. Très bateau. Ouais. Ouais. Dîner en famille ou dîner avec des amis? Les deux. Ouais. Amis. Amis. Okay. Voter ou s'abstenir? Ah, voter. Ouais, cette année, là, voter. Ah, ouais. si. Cette année, j'ai pas toujours voté, mais là, cette année. Là, ça devient important. Je sais pas pour qui, mais il faut. Mais bon, et bien. Tu as ta carte d'électeur? Oui, moi aussi. Toi aussi, Stéphane. Je te remercie, Mathieu. Elle est sur mon bureau. On va tamponner trois fois. Alors, vous allez voter pour qui? Je sais pas. Tu sais les trucs que personne ne dira jamais, surtout dans nos milieux. Mais c'est pas ça, c'est qu'un animateur télé. Il faut rien dire. Il y a beaucoup d'acteurs qui se prononcent. Si tu dis, tu votes de gauche dans nos milieux. Tranquille. Tu es obligé. Tu grilles pas. Oui. Mais si tu commences à dire que tu votes de droite, la télé. Mais ce sera la seule. C'est prié. Non, mais je vais voter Poutou. Nous, dans nos métiers, on ne dit pas pour qui on vote parce qu'on n'aime pas prendre à donner des leçons. Nathalie Arthaud, je vais voter. Ça fait chic ou pas? C'est la navigatrice. C'est celle qui parle très, très fort. Eh bien, on va retrouver Patrice Carmouze. Jean Lassalle. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors, nous sommes toujours avec Mathilde Seignier et Manu Payet et c'est le moment du quiz musical. Ça va dépoter. D'abord, nous jouons tous les trois. Donc Mathilde, Manu et moi. Et on gagne Pascal. Un cadeau? Non, on fait gagner. On fait gagner une semaine de vacances. Et le reste du monde joue pour Lauriane. Et on fait gagner une semaine, évidemment. Mais c'est des chansons comment? Vacances bleues. Alors, c'est des chansons sur les qui parlent d'animaux. Et donc, il faut reconnaître tout simplement qui chante. Et on commence par vous. C'est vous qui jouez les premiers. Ah, bon. D'accord. Vous n'avez pas vu Mirza? Oh, bah machin, là. Ah, eh ben, machin, Nino Ferrer. Vous n'avez pas vu Mirza? Ben, j'ai appelé ma chérie truc. Vas-y. Nino Ferrer. Nino Ferrer, bien sûr. J'ai appelé ma chérie Mirza. J'allais dire Paul Naref. N'importe quoi. Alors, maintenant, c'est le reste du monde qui joue. C'est plus vous pour cette chanson. Henri Salvador. Non, c'est Pau. Oui, il l'a chanté aussi, mais c'est Pau. Oui, absolument. Pau. Oui. Un partout. Un peu qui se connecte dans ton esprit. Alors. Hugo Frey. Hugo Frey. Dino Ferrer, c'était avant. Le cheval. Tu n'as pas de l'esprit d'escalier. Non, c'est les 8 jours de la salle. Donc voilà, c'est une drôle d'orchestration. Au reste, monsieur, l'orchestration originale, je crois. La moins chère. Au reste du monde de jouer. Le voisineux qui monte la bonne cuisine. Montant. Bravo. Et fort, Blackstone. Eric Lenny aussi. De partout. Ma chérie du montant. De poules et de foie gras. Je chasse pas. La voisine s'appelle. Miaou. 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 Alors ensuite, c'est pour vous. Alors. Manu. Une chauve-souris, elle met un parapluie. Thomas Fersen. Oh, joli. Non, il a triché. Ouais. Comme toujours, non, il a triché. J'ai pas triché. Il a triché. Parce que je l'ai dans mon iPod. Patrice, hier matin. Ah, vous en avez parlé. Il était sur son ordinateur et j'entendais toutes les chansons de Thomas Fersen. J'ai cherché beaucoup de chansons de Thomas Fersen. Tout entendu, oui. On va changer de bureau. Donc il s'est dit, j'accorde le point à Thomas Fersen un jour ou l'autre. C'est complètement idiot, Patrice, si vous préparez devant lui, évidemment. Non, mais c'est juste. Tout le temps, hein, c'est dingue. Hein. Parce que celle-là, par exemple, j'avais pas besoin de l'écouter. Barbara. Mais c'est Barbara. Oui, mais on a dit. Oui, Barbara. Des questions faciles. Vous êtes vous égalité. Donc, là, trois partout. Regardez, là, c'est facile aussi. Vous auriez pu mettre la version de Bruel, c'est quand même beaucoup plus joli. Et maintenant, c'est à vous. Garogori. C'est Brassens. C'est facile. C'est vrai que... Il gagne quoi alors? Ah ben, ils n'ont pas gagné encore. Parce que vous êtes à égalité, ça c'est le reste du monde qui joue maintenant. Corinne de téléphone. Oui. Waouh. Il est dans le même bureau aussi? Non, il est fort, monsieur Blaco. C'est le chat. Bah, téléphone, si on a été jeune à une époque, on connaît téléphone Higelin, sinon on n'a pas été jeune. Ah là, bravo. Bravo. 4 partout, c'est facile. Attendez, très solo. Solo chez elle. On se dépêche. Oh, bah, Pierre Perret. C'est Pierre Perret.
5-4. 5-4, alors une chanson pour le reste du monde donc. Combien pousse Lynn Renault chien dans la vitrine. C'est Lynn Renault. C'est on est sur du tube du moment. Ça va, c'est un truc vraiment qui en va. Mais écoute, il y a des gens sur les animaux, il n'a pas tous les jours. Hein. Si on a Cats on Trees en ce moment, vous savez. Alors ensuite, ça c'est un peu. C'est une chanson, une parodie, allez. Les ancêtres sont nos amis. Ah, je sais, c'est les inconnus. Oui, c'est vrai aussi. Alors là, pas mal. Mais nous, ils ont une âme comme Morvan qui nous charme. Les ancêtres sont nos amis. Il y a un très beau clip. 6-5. Ensuite, alors vite, j'en ai poursuivi des Cabrel. Francis Cabrel. La corrida. Bon, bah, c'est 6 faire... partout. J'adore. Attention, alors là, ouais. Super bon. Attention, coup. Éliminatoire, j'adore donc c'est Cabrel, le plus rapide, rapide, le plus rapide de vous tous. Chantal Goya. Non, oh non, j'ai lu. La corde, non, non, elle n'a rien dit encore. Je peux pas accorder ça. C'est honteux. À l'échafaud. Bon, un autre. Attention à rapidité. Hein. Beau rivage. Beau voyage. Non. Beau rivage. Beau dommage. Beau dommage. Bravo, Régis. Reste du monde. C'est Lauriane, donc. Allez, eh ben, c'est Lauriane qui part une semaine en vacances. Voilà, au domaine du Château Laval, à Gréoux-les-Bains. Alors, je rappelle que Boule et Bill 2 sort mercredi prochain avec Madeleine Sellier et Manu Payette. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute d'RTL. Demain, nous serons avec Norman et Dominique Besnard. Merci à tous de nous avoir suivis. RTL, il est midi et demi.